Or, how would you say, I would like a table, please? Je voudrais une table, s'il vous plaît. Je voudrais une table, s'il vous plaît. How would you say, I would like a table for two people, please? Je voudrais une table pour deux personnes, s'il vous plaît. Je voudrais une table pour deux personnes, s'il vous plaît. Or, how would you just say, a table for two, please? Une table pour deux, s'il vous plaît. Une table pour deux, s'il vous plaît. Or, how would you say, I would like a table for three? Je voudrais une table pour trois. Je voudrais une table pour trois. Non, trois means three. remember how i put a vocabulary expansion sheet earlier on for food-related items? well, i've put another one at the end of this lesson for you, and this time it includes all the numbers in french from 0 to 1000. if you try and learn 1 to 12 off by heart, you'll be able to get by in most situations. so, so far, we've had un and une, meaning a. un café, which means a coffee. Un thé, meaning a tea. S'il vous plaît, which means please. Je voudrais, meaning I would like. Une réservation, meaning a reservation. Deux personnes, which is two people. And une table, meaning a table. So now it's time to practice the words that we've learned in this lesson. How do you say in French, the turkey for him, please? La dinde pour lui, s'il vous plaît. La dinde pour lui, s'il vous plaît. A table for two, please. Une table pour deux, s'il vous plaît. Une table pour deux, s'il vous plaît. A tea for him. Un thé pour lui, un thé pour lui. I would like a reservation for two people, please. Je voudrais une réservation pour deux personnes, s'il vous plaît. Je voudrais une réservation pour deux personnes s'il vous plaît.